Moi, je dis qu'il vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, c'est fini. Tout va bien. Hein? Quoi? Non, 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 mais... Non. Quoi? Mais là, non, non, non. Surtout pas, surtout pas. Quoi? Dis donc. Non, attends, reste là, toi. Non, mais qu'est-ce que... Papa Abou? Lan, Lan, réveille-toi. Papa, Abou, papa. Papa. Shrek, Shrek, qu'est-ce qu'il y a? Quand je pense que je vais être papa, j'ai le vertige. Comment ça a bien pu m'arriver? J'aurais bien une explication. Tu sais, quand un homme se consume de désir pour une femme, une pulsion vigoureuse les submerge. Je connais le mode d'emploi. Mais j'en suis comme de ronds de flanc. Il y a un mode d'emploi? Hey, 1, 2, 3 o'clock, I got the blues. Depuis que Papouné a déserté la pelouse, j'écris des bohèmes à l'Alphonse Baudet pour attendrir mon daddy chéri. Lan! Sois gentil, tu veux, passe au couplet censé me regonfler le moral. Tu sais que je l'adore, ta Fiona, patronne. Mais imagine un peu le tableau. Un ogre, moi, la barcasse de mon cousin, une gourde pleine de morito et rien d'autre pendant 2 semaines que péché. Faut pas l'écouter, ce greffier. Tu sais, je vais te dire, un bébé, c'est rigolo, ça te pourrira pas la vie. Ah, c'est pas ma vie à moi que j'ai peur de pourrir, c'est celle du gosse. Franchement, t'en entends souvent de ce genre de phrases. Il a une patience d'ogre, ce brave homme. Il est tout doux, tendre comme un ogre. Ou si t'aimes mieux, tu vas adorer mon vieux. Ouais, c'est un bougre d'ogre. C'est bon, j'ai compris. Arrête les frais. Je t'ai pas dit que ça allait être une promenade de santé. Mais regarde, nous, on est là pour t'aider. Eh, hey, très juste. Meuf, là bien. Tu vas t'en sortir. Ah! Quand même, on a failli attendre. Ah. D'après toi, c'était quoi ce char qui déboule à Worcestershire? Ben, j'ai l'estomac noué et les paumes qui pleurent comme des madeleines. On approche d'une école. D'une école? Allez! Ok! Que cherchez-vous, messire? La victoire? Oui, on y croit! Et croyez-vous que l'on va décevoir? Donc, que nenni, que nenni! C'est bien, concentrez-vous, messire Perceval. Lâchez pas trop la bride. Par la malpaise, cousin! Faut jamais brûler de l'encens avec de la mire! Je commence à avoir des relents de pipi-culotte et de benedane! Pero, comment faisais-tu pipi-culotte puisqu'à l'évidence, tu n'en portes jamais? Dis-toi que tous les mystères sont pas bons à dire et laisse les chutes au Niagara! Et là, je lui sors. Autant attraper la peste noire ou me retrouver clouée au pilori que de devenir ta douce. Oh, l'autre est... Excusez-moi. Ah, ça pue grave! Ouais, grave. Yes! Gagné, je passe direct au niveau plus 3 de points de compétence. Salut. On cherche un jeune homme dénommé... Cornebouc, lequel c'est qui m'a encore jeté un sort et expédié M. Pafrofre et sa serpillère à 4 pattes? Je sais que vous êtes très pris à essayer de vous la jouer, mais est-ce que l'un de vous deux pourrait nous dire où se trouve Arthur? Là, avec l'écran. Nulle saveur sur cette terre ne saurait égaler celle de la victoire.
coriace, bel homme, une tête de meneur. Moi, je dis que ce Arthur-là a une carrure royale. Oh, excusez. Oh, vous avez bien dit que vous cherchiez Arthur ? Si, mais c'est une info que les taupes secrètes. Même s'il te torture, on ne dira rien. Allons, messire, habillez-vous. Tous à la douche ! Lance-moi Ave, ta majesté, c'est ton jour de chance. Oh, le morceau ! Eh, c'est quoi comme croisement, cet animal ? Un farfadet moisi et un chou de Bruxelles au GMIC ? Un chou de Bruxelles, eh ben ? Il a mangé un bouffon ? Bah, les pattes, monstre ! Un peu de calme, Arthur. Je ne suis pas Arthur. Je suis le preux Lancelot. Cette chose que tu vois de dos, c'est Arthur. Hé ! Au risque de vous paraître totale ou trucidante, ma bonne cop Stéphanie vous trouvait fort joliment repoussant et elle se demandait si vous la feriez danser à la surboom de la rentrée scolaire. Quoi de qui ? Bah oui, que voulez-vous ? Elle est trop grave, les étudiants et les monstres gothiques, c'est son kiff. Oh, mais tu dois assurer l'intérim, autant que tu aies la tête de l'emploi. Quelqu'un pour en perruquer le Shrek, s'il vous plaît. Nous ferons ce que nous ferons. Est-ce bien nécessaire, tout cela ? Oh, plutôt deux fois qu'une, Fiona. Non, moi c'est Shrek, crevette. Qui l'eût cru ? Bueno, amigos, on n'est plus en répétition. En scène et action ! En souris, oui, City, en souris ! Je ne sais pas combien de temps je vais supporter cette comédie, Fiona. Je suis désolée, Shrek, mais je t'en prie, essaye de tenir tant bien que mal. Juste le temps que Père se sente mieux. Oh. Shrek ? Ouais ? Je te trouve très élégant. Oh, approche-toi. Ah. 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 J'ai la fesse droite qui me démange sévère et je suis coincé dans ce costume de clown. Ah. Hé, hey, Toto, amène-toi. Comment tu t'appelles ? La frottouille, messire. Pile poil. La princesse Fiona et Messire Shrek. Ouais, regarde, pas semblant. Ah, ouais. Chou, oui, regarde. Ah, oh, ouais. Shrek. Ah, ouais. Oh, voilà. Oui, mon gars, vas-y, Shrek. Change pas de main. Vas-y, prends. Oui, tu l'as. Là, Shrek. Pas là. Mon œil. Arrêtez de faire l'âme. Tu n'as rien de cassé ? Non, ça va. Oh, des gambas, mon péché mignon ! Ah, la perruque, on s'en va. Sylvie, s'il te plaît, calmons-nous. Calmons-nous ? T'espères embobiner qui à ce jeu-là ? Arrête-moi, je suis un ogre ! J'ai pas le CV qu'il faut, Fiona. Et je l'aurai jamais. Ah. Ça s'est plutôt bien passé. L'âne ! Ah, peace and love, Shrek ! Il y en a vraiment qui se croit tout permis. Thank you.